bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Stellaris en compagnie de Boobies. Salut Boobies. Bonjour. Boobies. Boobies. Donc là on est sur un petit moment de pause avant le grand stress, en sachant que bien sûr que l'un comme l'autre, évidemment on ne sait plus où on en est. Oui, pour les questions qui sont arrivées, Fallout 4 va revenir. Évidemment, Fallout 4 va revenir. La question, c'est plutôt est-ce que Fallout 4 va s'arrêter un jour ? Ce serait plutôt cette question. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que voilà, on a donc le départ de la cache énigmatique. Il semble que la cache énigmatique en a terminé avec ses scans de Fubetu Prime. Ouais, j'avais déjà des super noms de planètes. Et a commencé à chercher un autre monde au sein de notre espace. Au grand soulagement de ses habitants de Fubetu Prime, ou quel dommage. Bah, on s'en fout, qui se casse. Voilà, et donc là. Le tube à essai, il est là, c'est ça, hein, c'est ce tube-là. Non, c'est pas ce tube-là. Il est où ? Il est où le machin ? Le tube, il est... Mince, il est où ce truc ? Ça, c'est quoi ? Il est dans le tube. Ça, c'est chez moi. Bah ouais, mais enfin, visuellement, je le vois pas. Je vois pas où il est, en fait. Il est dans le... Il va vers ta planète, en mode, bonjour, je viens un touriste. En bas, gauche de ta planète, fumée, tu prime. Je suis où là ? Ah mais là, je suis Chronos quoi. Pourquoi je suis dans Chronos ? Est-ce que c'est pas Chronos, tu mets tu ? C'est à tu. Ouais, c'est à tu. Voilà. Et il est où ce machin ? En bas à gauche de ta planète. Ah oui, c'est là, le tube. Ok, donc le projet c'était éventuellement de casser le tube. Alors avant d'aller plus loin, première vue, je vois que j'ai un tableau d'augmentation dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça, c'est quoi l'histoire ? Modification de population. On sait pas ce qu'ils font. Ah, ils font un vaisseau colon. Alors visiblement, je suis en train de produire un vaisseau colon, je pense, pour Pavac Prime, qui... Non. Si je peux te donner un conseil. Ouais. Important. Quand t'as des anomalies comme ça, genre comme le tube... Oui, je la pète. Direct. C'est ça ? Attends, avant de faire ça, t'as l'enclave des conservateurs. Tu vois ce que c'est ? Ouais. C'est un des trucs, tu peux leur parler et tu peux leur dire parlez-nous des mystères de l'univers. Okay, ah, oui, mais ils m'en avaient déjà parlé, sauf qu'ils m'avaient envoyé à l'autre bout du monde. Mais oui, et je me rappelle qu'il y a ce genre de truc. Tu peux leur demander des infos là-dessus et ils te diront déjà est-ce que tu as la force nécessaire pour battre le tube ou pas. En gros, soit tu le démontres, soit écoute, tu le démontres pas. Communiquons avec les conservateurs. Parlez-nous des mystères de l'univers. Normalement, il y a un truc dans le genre et tu peux leur dites-nous demander. Des choses si... que nous ne savons pas, dites-nous en plus sur le dévoreur stellaire, que proposez-vous d'autre ? C'est pas lui, hein, c'est Enigmatic Cache. Je crois. C'est quoi ? Construction complete. Je sais pas si c'est le dévoreur machin. Hein. Non, je pense pas que ce soit si le dévoreur. C'est... Le dévoreur, c'est autre chose. Donc non. Au revoir. C'est pas qu'on t'aime pas, mais que proposez-vous d'autre ? Ça bug du cul, c'est génial. Ouais, alors oui, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Oulala. Attends, on va voir si c'est autre chose. Si éventuellement. C'est de s'en sortir un peu. C'est de voir ce qu'on peut négocier avec le vieux. Ouais, c'est bien. Alors, j'ai une connexion très limitée. Il y a des choses que nous ne savons pas. Construction complete. Le retour de Co est terrible. Ok. Bon, ils savent rien, ils font chier, leur vie est nulle. Et en plus de ça, ils sont chers. Ça fait deux bonnes raisons de ne pas leur parler. Je pense. C'est quoi ton problème ? Ton problème, c'est que tu voudrais ajouter d'autres choses. C'est quoi ça ? Zone de haute sécurité ? Construction complete. C'est énervé comme truc. Non, parce que moi, avant toute chose, j'aime l'argent. Construction complete. Voilà. Je sais que c'est pas le meilleur endroit pour le faire, mais... quartier de la flotte et logistique, ça me donne quoi ? Ancrage plus 2 à la capacité navale. Je virerais bien ça. Démantèle-moi ce truc. T'avais des mondes de quoi, toi ? De base, je suis en tropical. Ok. Moi j'étais savane, il me semble.
C'est ça. C'était ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça c'est lancé. Niveau pognon, j'ai plus de pognon, c'est ça. Ok, d'accord, c'est le délire. J'ai des tas de stations qui peuvent être évoluées. Ah, c'est les flottilles. Les flottilles peuvent être améliorées. Ah non, c'est les batteries, d'accord, c'est les batteries des canons. Donc ouais, toutes les bases diverses et variées qui doivent être améliorées parce que franchement, c'est cool. Il y a un tube à essai qui se balade chez moi, c'est ça? Il se balade dans mon univers. Un type nucléaire. Ah quoi, tête nucléaire? Non, c'est ouais, pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ça me fait pas très très beaucoup rire, monsieur. Ça suffit. Non, en vrai, j'ai jamais vu ce type. Je peux vraiment pas te dire ce qu'il fait, ce truc. Hein. Mais en général, je... Un type de nu énorme, aussi gros que ta planète, qui tourne autour de ton truc. Comment te dire que... Ouais, ça a pas l'air d'être le bon projet. Je suis d'accord avec toi. D'accord, donc j'ai trois flottes, dont une qui se balade on ne sait où. Eh bah où? Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils commencent à exister, c'est con, c'est vrai. Donc fallait les détruire. Ah ouais, j'avais oublié ça. De quoi? Ok. Non, je déplaçais une flotte pour détruire, tu sais, Sheleb. Qui était en train de devenir... ouais, ils étaient en train de découvrir l'arme nucléaire, tout ça. Enfin, ils gonflaient le monde, quoi. Ils étaient vivants. Truc chiant. C'était bien ça? Sheleb, c'est laquelle? Est-ce que je peux mettre en très rapide ou pas? Ouais, vas-y, écoute, vas-y. Je suis perdu de recherche, mais c'est pas grave. On va dire que c'est bien. Vas-y. On va dire que c'est cool. On va dire que je suis bien perdu. Je sais plus où j'en suis. Y a un monde océanique là-dedans. Je dois avoir des vaisseaux coloniaux partout. Et qui me coûtent un bras tranquillement. Tous mes vaisseaux. Peinard, posé, monde toxique. Monde stérile. Et où le monde colonisable là, stérile? En fusion? Ah, c'est celui-là, océanique, ok. Tac. Quoi? Mais non, c'est pas ça. Si, ça c'est un vaisseau de construction, d'accord, non, c'est ça. Je me disais, c'est bizarre, attends. Coloniser cette planète. Où est-ce que tu vas te mettre? Où est-ce que je vais te coller? Je suis d'accord, moi aussi, ça me paraît chiant cette histoire. Il y a l'air d'y avoir que des trucs chiants. Genre, il y a quoi ici? Forteresse en ruine. D'accord, qui réduit l'agitation, et là. Capitale planétaire en ruine. Ah ben voilà, non, on va se mettre sur son ancienne capitale, très bien. Voilà. Ah, j'avais tout rasé, il me semble. Hein. Non, là il reste les structures debout. Bah, c'est pas grave, hein, TKT. Hein. Je les avais purgés, je sais plus. TKT, ce sera rasé quand ça devrait être rasé. Ça va arriver. Des technologies, en veux-tu, en voilà, très bien, ça on s'en fout, je cherche mon journal de quête. Voilà. Tout ça c'est fait. Ça c'est très loin. C'est où ça? Les dessins de Zyklos sont à l'origine des canyons arides de Blague. D'accord. N'oublie pas que t'avais débloqué le... Alors il me semble, hein, le... L'atout là, où tu pouvais augmenter la taille de tes planètes. Alors je sais pas si tu l'avais fait sur toutes tes planètes ou pas. J'ai déjà augmenté la taille de ma planète. Il était une voix très sexuelle. Ça a été fait, exploration automatisée, casse-toi. Voilà, comment se débarrasser de ces scientifiques. Tu vas faire... Genre... La même chose, cassez-vous. Et que je ne vous revois plus jamais, bien sûr, très important, évidemment. Mes factions viennent de se calmer un peu, je gagne un peu moins d'influence qu'avant. C'est un peu la tristesse. Quelque part, c'est le solstice de la tristesse. Moi, je voudrais envoyer ma première garde, je voudrais te relocaliser à... ah oui, mais non. Eh ben non, je suis obligé de faire ça ici. Et j'avais prévu de renforcer progressivement ta flotte au fur et à mesure que le pognon rentrait dans la cabane. Évidemment. Formidable. Formidable. Donc le pognon rentre. Nous aimons le pognon. Est-ce que tu aimes le pognon toi aussi? Écoute, j'en ai pas mal. C'est fantastique. On est d'accord.
Spaceport under attack. Quand on a, c'est bien. J'ai un astroport en sous attaque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... C'est où ça? C'est des clodos qui m'attaquent ma station spatiale, là? C'est HLM qui sont en train de m'attaquer, là? Ou vice-versa? Ah, c'est mes gars qui sont en train de bombarder Cheleb, c'est ça non? Ouais, on dira que c'est ça, hein, je comprends pas tout, mais je pense que c'est un truc dans ce goulag. Tout va bien, ouais, c'est ça. Tout va bien, c'est juste des gens qui meurent par dizaines de milliers, ça va. Ça va, ça se passe tranquillement, TKT. Déclaration de guerre. Ah, qui a déclaré la guerre à qui? Ça a l'air d'être des gens chiants sur des gens chiants, non? C'est une vague impression comme ça. Alors, je vois. C'est une histoire chiante. j'en suis où? Au secours, je sais plus. Est-ce qu'il est possible de renforcer ma flotte? Tu vas me la renforcer avec quoi, gros naze, là? À 800 balles? Tu me la renforces avec rien, hein? Il me la renforce avec 1 million de corvettes, je le déteste, hein? Special project. T'en as besoin des corvettes aussi. Espace sans nuages. D'après les chercheurs Klingons, les nuages spatiaux comptent parmi les entités les plus anciennes de l'univers. Pour ce que nous en avons compris. Il semble être apparu à peine quelques milliards d'années après la matière. Les forces à l'œuvre dans le cosmos naissant, créant alors à partir du vide. C'était pas très bien traduit en français, je pense. Ces nuages auraient pu se transformer en étoiles, mais ce ne fut pas le cas. Leur apparente intelligence animale est plus difficile à expliquer, mais la réponse réside peut-être dans les champs électromagnétiques incroyablement puissants qui les maintiennent en un tout cohérent, une autre caractéristique datant de l'époque de leur formation. Il n'est pas impossible qu'avec le temps, la circulation de ces étranges amas de poussière d'étoiles et de champs gravitationnels se soit alignée pour former des sortes de chemins neuraux particulièrement souples. En outre, ces nuages semblent mutuellement réceptifs à leur impulsion mutuelle, comme s'ils communiquaient entre eux malgré les années-lumière qui les séparent. On pense que l'intrication quantique joue un rôle dans ce phénomène. Ils ne se mettront pas à travers de notre chemin. Dégâts infligés au nuage du vide, plus 33%. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu veux du pognon, allez casse-toi, prends ton pognon, tire-toi. Cela me rend la production de physique des tuiles, plus 10%. Bah, rien du tout, moi je veux des dégâts. Déjà que j'ai une flotte minable, donne-moi un peu de dégâts, je peux gratter gros. Foutre pas de ma tête non plus. Bon, première garde spatiale, tu vas la renforcer avec quoi? J'aimerais tellement savoir avec quoi tu vas la renforcer. Je sens que tu vas la renforcer avec des conneries. Tiens, regarde, on parie, on mise. On mise gros sur le chapeau. C'est Iris qui produit, je crois, c'est ça. Chronos, tu produis quoi? Qu'est-ce que tu produis, Chronos? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça, Chronos? Pourquoi? Mais pourquoi sur Chronos? Mais... Tu me dis, hein, si j'arrive dans le temps, hein. Non, mais j'ai l'impression que mes stations, elles vivent leur vie et qu'elles ont décidé de me dire merde une bonne fois pour toutes. Annule-moi ça. Je sais pas pourquoi il y a un vaisseau en construction à Chronos, alors qu'il y a même pas de flotte à Chronos. Ziris et Shleb. Pas de flotte à... bizarre. Tu continues à se faire renforcer celle-là ou pas? Enfin, Ziris, tu continues à produire ou pas? Qu'est-ce qu'elle produit? Des destroyers et un croiseur, d'accord. D'accord, donc oui, ici en fait, elle suit bien son projet initial. Influence maximale tirée des factions plus 1, très bien. On est content. Waouh, on va pouvoir prendre plus de planètes dans le même secteur. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose? Ah si, on en a quelque chose à foutre. Si. Ah bah toi, les planètes, gros, faut que t'en aies, hein. Bah je suis surtout à 6 sur 6, enfin, incroyable. Ah. Mais vrai, mais enfin, je suis à 6 sur 6 dans mes planètes. C'est bien. J'en ai marre de son tube qui se balade chez moi, là, l'énigmatique cache, là, le... Hein, le tube. Le tube à essai. Il commence à me gonfler. Sauf que j'hésite à tirer dessus, je pense que ça doit pas être une très bonne idée. Je sais pas. Moi j'aime pas les crânes qu'ils mettent à côté. Moi il y a un crâne à côté, ça me rassure pas en fait. Je suis quelqu'un qui est extrêmement influencé par les crânes. Ça me fait peur les crânes. Voilà,
je vous dis tout, ça me fait peur, voilà. J'aime pas les crabes. C'est terrible. Et pourquoi on est... Hein, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ah, c'est le bureau logistique qu'on attend. Me disais-je aussi. Attendez, je produis des flottes Aziris, mais j'ai pas le bonus de construction sur les flottes. Je fais vraiment les choses... nous aimerions prolonger l'accord. Oui, oui, bah tiens, prends ton pognon, casse-toi. Mais cassez-vous avec votre pognon, hein, vous m'énervez à vouloir pro... On dit flûte, ça perd l'hypopète. Est-ce que moi je dis putain de merde? À chier. Pardon. Voilà. Bon, avec ton parfum. L'Empire Klingon est débordé avec rien. C'est beau. C'est beau d'être débordé avec pas grand-chose, hein. C'est quand même un concept car incroyable. Ça va bien se passer. Oui, ça se passe bien. Ça, c'est aménagé. Ça, c'est cool. Ça aussi, visiblement. Ouais, j'ai deux bases, ok, des deux côtés, tout va bien. Peut-être améliorer mes canons, parce que voir autant de flèches à améliorer, là, ça me stresse. Ça me stresse terriblement. Je vois des améliorations à faire, ça me rend fou. Ça me rend fou, au secours. C'est bon, je peux tout améliorer. C'est amélioration de la base stellaire, direct. D'accord. Ok. Oh, j'ai reçu une communication. Pacte de non-agression. Ships upgraded. C'est qui? Qu'est-ce que je peux améliorer alors chez lui? Ships upgraded. Je refuse d'appeler avec les Seventy parce que c'est pas tes amis, toi. Qui ça? Les Seventy, il me semble que c'était bien tes concurrents. Des gens charmants, à mon avis. Non, les Seventy. Ah oui, c'est les Seventy Unity, c'est des enculards. Ouais, il m'avait proposé un pacte de non-agression, donc je pense qu'il suffit un peu dessus. Oui. Oui. Et il a raison. Est-ce que on peut voir son armée? Il a une bonne armée. Il y a une bonne armée. Car au vent, on est d'accord que c'est ici. Hein. 12 000. Une armée de 12 000. J'ai une armée aussi. Bah, une même armée que lui, quoi, en fait. Ah, j'hésite entre un hangar et un ancrage. Ouais, ça sera un ancrage. Ancrage, tu lui fais full ancrage. Non, non, je peux pas faire ça, moi. Je suis full station partout, je peux pas faire ça. Ça me coûterait beaucoup trop cher. Ouais. Ouais, ça me coûterait beaucoup trop cher. Je te rappelle que j'ai. Allez, grosso et merdo, j'ai deux fois plus de stations que j'ai de planètes. Grosso et merdo. Donc bon, on va se calmer. Alors donc toi t'es en train de me dire je peux passer en forteresse. Non, il doit y avoir autre chose que tu peux améliorer. Oui, ça. Je me disais, ça commence à faire un peu cher les améliorations proposées. C'est laquelle? C'est le Zippo. Ships upgraded. Zipog Vortex. J'adore le nom. Je veux renommer cette base, s'il vous plaît. Je veux l'appeler Zippo tout court. Je suis un enfant, excusez-moi. Faut que je fasse ça. Voilà. De Zippo Vortex tout court. Voilà, on fait des placements de produits toujours gratuits sur Comme d'habitude Gaming, c'est la règle. Vous le savez, c'est notre raison d'être, notre raison de vivre. Nous aimons l'argent gratuit. Et quand je dis on, oui, je parle de moi et toutes mes personnalités. Tout à fait. Aucun problème. Ah ouais, aucun problème de folie, tout va bien. 6 sur 6, c'est quoi? C'est ressources stratégiques. Ah oui, j'ai 6 sur 6. Ouais, ok, ça les éclate. Ah, c'est vrai que tu m'avais dépanné cette ressource stratégique, c'était trop cool. Je gagne que 105 balles. Ah, faut quand même que je fasse gaffe un peu au pognon, moi, dans mon histoire, en fait, hein. Ah, on fait le malin, mais ça a coup à tomber dans le ravin. Hein. Pas ce qui te fait rigoler. Je pense que t'as trouvé ça très drôle sur le coup. C'est quoi, centrale en ruine? Mais une nouvelle ressource stratégique en x2. Alors je sais pas si t'en avais ou pas, mais c'est les cristaux d'Aldar et ça faisait les dégâts causés par les armes explosives de plus 20%.
Alors, je sais pas si tu l'as ou pas, mais sinon je pourrais t'enfiler. Le cristal de Babar ? Je te dis ça tout de suite. Ouais. J'ai plus le cristal de Babar. Trop de systèmes colonisés. Du coup, j'ai des pertes d'influence d'Empire, génération d'énergie au sein de l'Empire, moins 10%. LOL ! LOL ! LOL ! T'as cru qu'avec tout ce que j'avais payé dans ma vie, c'était 10% qui allait m'amputer quoi que ce soit ? Tarlouse, va. Non mais lol, nous on est des clingons, mec, même endettés, on marche encore, quoi. C'est pas compliqué, on dirait la France. Le mec trop horrible. On dirait la France. Pays de galère. Ouais, il peut venir là, le clingon, c'est bien, hein, c'est bien, moi je trouve ça cool, hein. Ouais, je trouve ça cool, hein. C'est quoi, les détails de l'armée ? Non, mais on s'en fout des détails de l'armée, en fait. Je pense qu'on s'en fout de tout, en fait, globalement, voilà. Parce que c'est beaucoup plus simple. Ce qui nous intéresse, c'est que cette station marche. Citadelle. Je n'ai pas encore la possibilité de faire une citadelle. Combien de temps ? Citadelle ? Pas tout de suite. On aura centrale d'alimentation 2. Oh, c'est bien ça. Plus de pognon. On aime. Et dans 30 mois, plus de malus d'empire aussi. Ça, c'est cool. Et dans 1 million d'années, j'aurai la forteresse stellaire. C'est ouf, j'ai un bonus de 65% sur la recherche de la forteresse. Tu sais, en plus, c'est là où j'ai mis l'ingénieur spécial, tu sais, qui vient de l'enclave, là. Ah, du mec, là, c'est ouais. Qui est balèze. Ah, je suis à la moitié du temps, j'ai 56 mois restants. Voilà, on aura fini le jeu, j'aurai la forteresse. C'est bien, hein. On sera mort. Bah après, ça ira. C'est bien. Incroyable. Toi, comme dit, le truc qui t'handicape le plus, c'est ton manque de planète, parce que dessus, tu pourrais faire... Ah, ça... ça m'a mis un peu à la ramasse, on va pas se mentir. C'est le truc qui te manque le plus, c'est ça, de toute façon. J'adore ce bouton qui marche pas. Moi, j'adore, vraiment... Je me rappelle surtout qu'on s'entendait bien avec le... Ah, d'ailleurs... Alors, moi, je suis pote avec... Ouais, c'est ça, avec Jas Gavaz, mandaté. Le mandaté. Il m'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc je vais voir si on peut pas essayer de... Moi je lui ai même filé un billet pendant... Il y a une époque. Je suis un mec comme ça, ouais. Je suis un mec sympa, je file des billets aux gens. Alors il m'aime de 0. Donc c'est bien. C'est cool. Et... Le mec est vraiment en recherche d'amour, quoi. Tu sens quand même la tristesse un peu. Hein. Bah si il m'aime, il t'aimera aussi parce que toi tu m'aimes. Ah, quoi que toi tu m'aimes pas vraiment. Ah, bah non, moi je suis un clingon en fait. En fait, j'aime pas grand monde, je suis des os. Je suis des os, je suis au mieux neutre avec les gens. Parce que je te rappelle que pour te faire la guerre, en plus, je t'ai engueulé comme un poisson pourri pour te dire mais t'es qu'un mange-mort. Quel tard, tu suces des bâtons de glace. Tout ça. Enfin, j'ai été méchant quoi. Hein. C'est un peu mon job d'être méchant avec toi. Research complete. Pourquoi vous avez pas détruit la planète ? Ah, je crois que les corvettes elles peuvent pas, c'est ça ? Si ? Vous êtes bien en train de bombarder cette planète de merde ? Faut vraiment que j'envoie des troupes à la surface de cette planète ? Non, c'est pas nécessaire. Tu es d'accord, c'est pas nécessaire. Nouvelle recherche. C'est pas nécessaire, lâche l'affaire. Pardon. Wow. Lanceur de proton, machin, voyage par portail. Oh, je m'en fous du voyage par portail, donne-moi plus de vitesse de recherche déjà. Pacte de non-agression avec l'Omni Caractère. Quel est des gens chiants en fait. C'est l'histoire de gens chiants. Le monde de blaireau là, que j'ai à Chéleb là, il faut vraiment que j'envoie des troupes au sol pour les raser. C'est vraiment une nécessité. Tu les bombardes, mais c'est long. Hein. Ah, d'accord, oui, donc ouais, je laisse mes troupes ici, ad vitam aeternam. Amen et Adeus, tout ça, Requiem, Squatting Patché, tout ça. Ok. Donc j'ai des augmentations à faire. Oui, je voudrais plus d'argent, s'il vous plaît. Construction complete. Oui, nous aimons l'argent, tout à fait. Argent. C'est exact. Nous aimons l'argent, bravo. Vive l'argent. Voilà, j'ai cliqué sur toutes les planètes et j'ai dit vive l'argent à chaque fois, les gens étaient d'accord. Ça fait plaisir. Mais ces planètes sont gérées n'importe comment! Ah, ils sont encore en train de me réparer la merde là ? Non, c'est réparé ça. Ça produit 4 d'énergie, mais ça m'indique pas. Ah si, ça est d'accord, c'était un bug. Ok, tout va bien. Tout va bien, il y a des bugs un peu partout. Tout va bien, construire. Non, pas ça, mais ça peut être rigolo ça. Ça peut être rigolo ça aussi, mais non, pas ça non plus.
Ça va être ça, merci. Ici, effectivement, je le vois bien remplacé par ça. Et ça, du coup, vu que c'est une case un peu nulle, quelque part, on le remplace par... Ah, j'ai plus d'argent. S'il vous plaît, où est le pognon? Rendez l'argent aux abonnés. Enfin, non, enfin, à moi, tout du moins. Les abonnés, on s'en fout. Un peu. Non, ça arrive, je tends quelques cailloux, ça va aller. Ok. KT. C'est vrai que, du coup, je fais une belle consommation de caillasse. Entre l'augmentation des forteresses, enfin, des diverses plateformes défensives que bénéficie mon empire ou dont dispose mon empire, je vais te dire... Ça coûte un peu d'argent tout ça. Enfin, un peu de caillasse surtout. Gemini Avgain considère désormais comme une rivale. Formidable. Formidable. Hein, la politique intergalactique, ce qui est bien, c'est que je trouve ça toujours aussi chiant. Vraiment. Construction complete. Ah, des gens qui ont terminé une construction. Qu'est-ce ? System survey. Ah, et on va faire. Ah, nous allons faire une donation. Construction complete. Tu veux que je te donne du pognon? Bah ouais, vas-y, prends un cash, hein. Si vraiment t'y tiens, je te le donne, hein. Moi, ça me... Oui, oui, détruis-le. L'autre, il est en train de me dire, ouais, mais attention, vous allez détruire une ferme à 1. Oh, lol. Roule dessus, s'il te plaît. Moi qui gagne plus 40 par tour, et roule dessus. Roule dessus, et une fois que t'auras roulé dessus, tu repasses dessus. Voilà. Au cas où. Oh, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de cette merde? C'est quoi le problème? Ce bâtiment nécessite une pop pleinement développée pour fonctionner. Non, c'est vrai, c'est oh, incroyable. C'est bien ce jeu qui te prévient de trucs, mais d'une évidence incroyable, quoi. Je trouve ça... System survey complete. Étrange d'usine. Putain, qui produit moult trucs, hein. Elle est cool, hein, en vrai. Hein. Cette usine chelou qui n'a rien produit pendant des siècles et des années. Incroyable. Et ça, c'est quoi? Klingon. Non, mais ça, c'est un Klingon, d'accord, mais derrière... Ah, c'est le ministère de la culture et de l'agriculture. Oh, je l'aurais pété un ministère. C'est beau, ça. Salut. La guerre. Quelle guerre, quoi? Ça, c'est bien, ça. Déclaration de guerre. Ton pote déclare la guerre, c'est bon. Donc, je suis en guerre, là, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, je crois pas. Non, t'as pas de non-agression, toi, avec lui, c'est tout? Avec ton pote? Ouais, c'est ça. Bah, non, contre, eux, ils vont se foutre sur la gueule, en espérant que... Celui avec qui on s'entend un peu, ben... Ils prennent du territoire sur les 70, quoi, pour les affaiblir, tout simplement. Ils viennent péter la gueule à ces flottes de merde, là. Une flotte de 12 000, ça va, c'est pas... C'est gérable, de voir un truc. C'est gérable. Je sais pas si je devrais intervenir. Franchement, refais-toi. Non, je suis sur autre chose. En parlant du tube, parce qu'il est à ma capitale, en fait, le tube. Construction complete. Du coup, il me rend quelque peu dubitatif, si tu veux. Je sais plus ce qu'il avait fait, le... La première fois qu'il était, il avait rien fait, je crois qu'il s'était juste non, barré. Non, rien, il s'est juste barré, en fait. Hein. La vidéo a commencé là-dessus. Hein. S'il a commencé par là, il s'est barré. Bon. Why not? C'est quoi ton problème, la base? La base, c'est que tu viens d'être développé, donc tu peux accueillir encore plus de choses. Très bien. Tiens, je te dis, des lois martiales, j'en mets partout. Putain. Punaise. Alors que moi, non. Hein. Moi, c'est tranquille chez moi. Les mecs, ils sont au calme. Ordinateur de ciblage, on dit que portée des armes plus 50%, ça pas d'utilité. Bureau logistique de la flotte. La présence sur cette base stellaire, académie de la flotte, c'est pas utile, ça je peux pas l'avoir. Construction complete. C'est nul, ça sert à rien. Le brouilleur Sénat, ça sert à que dalle. System survey. Laboratoire d'idées des concerts nécessite une enclave de conservation. Ah ouais, ça me manque tellement, c'est tellement triste. Ça, c'est encore toi qui l'as, ça. Ah, la chance incroyable, hein. La chance insolente, certains disent même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? T'as une chance insolente, certains ont dit. Alors, il vient de se passer un million de trucs, tu me feras un résumé de l'histoire, parce que moi, la politique universelle, alors, tu vois, là, je m'en fous. Voilà, merci. Merci, toi aussi, tu as donné toute l'expression de...
Je le trouve un peu tristou des fois, hein, ce jeu. C'est vraiment... En fait, dis-toi que c'est juste des trucs qui n'ont rien à voir vers chez nous. C'est tout au nord de la galaxie. Donc, ça mais... En fait, il y a tellement de peuples qu'en fait, on a rien à... Enfin, je trouve qu'on en a rien à faire. Par rapport à Master of Orion, où bah, c'est un peu plus personnifié. Tant pis si les peuples sont pas modulables. Mais voilà, si t'es 6-8, t'es toujours les 6-8 mêmes et tout le monde se connaît, quoi. Ouais, du coup, t'es toujours un peu concerné par ce qui se passe. Là, on est des dizaines au départ. J'avoue, on en a rien à cirer, quoi. Bah, il faut juste savoir qui est tes voisins et c'est tout. Oui, c'est ça, c'est juste... C'est important. Voilà. Après, au bout d'un moment, t'en as plein qui vont disparaître et... C'est ça. Faire comme ça. Voilà. Sinon, tu t'en sors pas. Genre de passage, quoi, tu t'en fous. Si t'as des messages toutes les deux secondes, là... Oh là là, la lourdeur. Ouais... Alors là, j'aurais sûrement beaucoup de choses à démolir et à refaire, là. Ça risque d'être un peu chiant. Par exemple, Central Dalim, ce serait beaucoup plus intéressant ici. Et pourquoi ce n'est point possible? Ce n'est point possible parce que je suis... Parce que ça nécessite une administration planétaire. Sinon, j'allais dire je suis un salaud de pauvre, mais non. Et en fait, tout ce que j'ai va nécessiter... Ok, ok. Bon, ça marche. Ok. Bon, de toute façon, je ne suis pas concerné. Progression un peu lente, hein. Encore 2 mois. Encore 2 mois à patiner encore un peu, là. Après, ça ira mieux. Ziris, tes défenses ont été améliorées, tu es un 9 sur 9 de défense, c'est monstrueux, tu as trop de défense pour rien, puisque tu es une station qui finalement, dont tout le monde se fiche complètement. Les gens passent à côté, parce que c'est ça qui est magique, hein. Les ordinateurs de ciblage, ça ne sert à rien, c'est pour les casus. Voilà. Maintenant, je saurais qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est littéralement la flotte, en fait. Tout le reste ne sert à rien, là. C'est... Avoir des bases défensives et investir du pognon là-dedans, ça ne sert à rien. Il me semble qu'ils vont faire une mise à jour, tu pourras déplacer là. Enfin, la placer où tu veux dans le système. Ouais, mais bon, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est de la merde en boîte, on va se mentir. Hein. Système du secteur principal plus 1. Oh, bah oui, moi, ça me va. Voilà. Je vais pouvoir donc capturer une 7ème planète tranquillement, sans avoir de malus. Nice. Tiens, plusieurs inhibeurs PRL. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? System survey. Ah, ça va être le brouilleur, non? Je dois avoir un brouilleur, non? Non, c'est pas ça. Visiblement non. En fait, il y a un truc qui fait que... Je l'ai énervé, cette station. Quand il y a une flotte ennemie qui vient dans ton territoire, par une... et que t'as ça sur une des stations, il ne peut plus repartir par cette même voie. D'accord. Ok. Ça c'est pas mal. Bah, visiblement j'ai ça. Ah, j'ai dit mince, on me fait une proposition de traité migratoire. Je fais mais y'en a qui ont fumé quoi? S'en fout. C'est la Reich ici les mecs. Y a pas de. Construction. Pas de... Je ne participe pas là. Vous avez pas compris. Je ne suis pas le projet. Donc voilà, j'aimerais voir. En fait, ça va lancer plein de trucs sur mes plateformes. Juste Ziris, c'est bon. Ziris qui va nous fabriquer donc un chantier. Un croiseur. Très bien. On aime les croiseurs. Ici, on est fan. Et d'ailleurs, tu nous coûtes très cher cette histoire là. Parce que là, du coup, ça va être 5 croiseurs. 5 croiseurs, ça picote, ça commence à piquer un peu au niveau des impôts. Enfin, moi, je gagne plus tant que ça, en fait. Hein. Parce que je rappelle, j'ai réglé, il n'y a pas très longtemps, mon problème de faux endettement, en fait. De je vivais au-dessus de mes moyens à coup de traité, quoi. À coup d'obligations politiques. Ce qui n'est plus le cas, maintenant. Bien sûr. Et c'est un Diffrex. Donc, les Diffrex, c'est 1000 balles ou je remballe. Voilà. On gère le bateau, quoi. Gère le petit bâtal de l'espace. C'est pas donné. On aime pas trop ça, la rédaction.
C'est l'anti-unity qui m'a... Non mec, non mais lol. Non mais lol. J'ai pas de... Si, j'en ai une ici. Allez, tu deviens un port stellaire. Ouais, je suis un mec sympa, tu deviens un port stellaire. C'est comme ça. Voilà. Je trouvais ça dommage d'avoir un avant-poste qui n'était pas une station. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a une belle répartition de la troupe. Quelle joyeuseté joyeuse. Ça fait plaisir. Site de stockage permet de stocker 2500 minéraux de plus. Stockage d'énergie 2500 de plus. C'est pas mal, hein. Ou j'en fais une zone hydroponique. Là, on aura une petite bouffe. Petite bouffe. Ça coûte 1$. Petite bouffe pour 1$. On se fait une bouffe? On se fait une bouffe ou on se fait un stockage? Stockage, je risque pas d'être emmerdé tout de suite en vrai. Alors qu'un petit boost de populace. En mettant une petite. Oh non, non, mauvaise idée. Non, mauvaise idée. En fait, tout est nul. Portée des capteurs, hein, pour les vaisseaux hyperligne. Ouais, mais non, t'es à la tête d'un trou noir, donc non, aucun intérêt. Entretien à canon. Y a rien de tentant, hein. Tout est nul, hein. Tout est très nul. Voilà. Test subliminal, tout ça, c'est nul. C'est nul, tout est très nul. C'est naze. C'est de la merde. Voilà. Technologiquement, on est des caca. Voilà. Oh, on est en très rapide là. Ouais. Oh, le pognon il rentre pas, c'est catastrophique, hein. C'est vrai? Oh, c'est long. Tu veux que je t'en envoie un peu? Bah non, je vais pas te demander des cailloux alors qu'il me suffit d'attendre en fait. J'en ai 11 000 de côté, hein, si jamais. Ah oui, d'accord, c'est vrai que tu te portes bien toi. Tu te portes vraiment très bien. Par contre, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi les flottes, certaines fois, leur puissance est indiquée en rouge. Pourquoi leur puissance de feu est indiquée en rouge? Parce que tu peux faire renforcer la flotte. Oui, mais toute, enfin, je veux dire, même ma première garde, je peux encore renforcer sa flotte. C'est ça le truc, c'est qu'il manque encore la bagatelle de 4 croiseurs. Ce jeu m'a pris pour quelqu'un beaucoup trop riche. Ce qui est scandaleux, clairement. En fait, c'est important d'avoir un officier de bon level parce qu'en fait, je suis en train de me dire, il définit peut-être aussi sa capacité de troupes. Non d'emport de mecs. Du nombre de mecs que tu peux mettre dans une même flotte, non peut-être. Peut-être, peut-être pas, après, j'en sais rien. La capacité navale, tu veux dire? C'est ça? Ouais. De, mais tu sais, t'as ta capacité navale générale et t'as la capacité de ta flotte. De chacune de tes flottes. Ouais, genre, pour te donner une idée, là, mon officier de la première garde, sa version optimale de sa flotte, ça sera 15 croiseurs, 12 destroyers et 10 corvettes, quoi. Voilà. Ce qui lui fera une puissance nominale, enfin, une capacité militaire de 94. Et elle peut pas aller au-delà. Je peux pas lui mettre les 190 dans le... Aïe, ah, il y a Pikachu qui se fait éclater. Tu te rappelles de Pikachu le Pikachu trop vénère là, et qui doit être plus qu'une vulgaire poche de résistance quelque part. Mais ils sont quasiment dans toutes les games, ceux-là. J'ai pas compris à quoi ils servent. Genre, je sais pas à quoi ils servent. Bah, se faire éclater, visiblement. Visiblement, ça sert à se faire éclater. Mec, il reste deux planètes, bon, il va disparaître. Par contre, toi, t'as vraiment une planète qui est isolée là, non? Enfin, t'as un bout de territoire. Il y a même pas de planète dedans. Au-dessus de Picares Drift. De l'Empire Picares Drift. En haut à droite de chez toi. T'as une toute petite couille qui se balade là. Ah oui, je me rappelle de ça. Qui t'appartient? Putain, mais il a des planètes là. Tout ce secteur. Des tropicales. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Je vais venir prendre tout le secteur. Il est à moi. Oui, mais tu peux venir, mais il y aura un problème. Ça va se passer exactement pareil. Comment ça? N'oublie pas qu'il y avait la pioche de l'espace, c'est là que... Tu vois, même ma vie elle est dégueulasse, c'est à dire que même là où il y a des mondes où je peux habiter, il y a quelqu'un pour me casser le cul. Voilà, ma vie est nulle, au secours. Bon, elle est trop naze. Tant pis, hein, écoute, on va laisser ça comme ça. Oula.
Oula, dans 9 mois j'ai plus de pognon. Dans 9 mois j'aurai jamais assez de caillasse. Dans 9 mois, tu peux m'envoyer tout ce que tu veux, j'aurai jamais assez de caillasse. J'annonce. Pourquoi ? Jamais assez. C'est ce que je peux te dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'était la centrale. Amélioration de la centrale, c'est ça ? Ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y aura pas assez de caillasse. Ouais, c'est l'amélioration de la centrale, tu dois améliorer tous tes bâtiments. Ah mais oui, c'est ça. J'en suis sûr, c'est ça. C'est déjà fini depuis très longtemps. Si ce n'était que ça, je te dirais pas alors, que t'aurais pas assez de pognon. Puis j'ai pu payer de ma poche, c'était pas le problème. Ça, c'était pas un problème. Nos soucis, même, certains disent. Nos soucis, man. Ancrage plus 2 en capacité de navale. Ouais. On va partir sur ça, hein. Pourquoi je peux pas payer 200? Je les ai les 200. Dirigeant nouveau trait, par son travail acharné et toute son expérience, notre impératrice Suna a développé de nouvelles compétences. Elle est arrivée, elle a fait le master là, le diplôme il est pour moi. Oui madame, voilà. On m'a inventé un nouveau diplôme juste pour moi. Voilà. Ils sont très bizarres hein, chez moi la libre commande. Faut que j'attende d'avoir le premier ancrage. LOL. 56 corvettes. Ça, il me rapporte plus rien là, le progressiste groupe là. Non mais ça y est, je suis en paix, les mecs ils sont plus contents là, et ils sont jamais contents, ils m'emmerdent. Quand il y avait l'empereur, tout allait bien. Construction complete. Quand il y avait l'empereur pour leur taper sur la gueule, ça roulait tout seul. Hein. Ah oui, il me reste déjà plus que ça, non ? Oh, nice. C'est pas cher. J'arrive. Je vous aurai tous les deux. Des bisous. Voilà. Dans 4 mois, t'as plus assez d'argent à me dépanner. Hein. T'es conscient, j'espère, de tout ça. Hein. T'es conscient que si tu proposes ton aide, tu vas finir plus pauvre que pauvre. Ça va être ridicule. Ça va, ah non, tu vas être pauvre. J'espère que t'es prêt. Hein. Dans 4 mois, là, je te demande du pognon. Je te demande des cailloux, des minéraux. Ok. T'en auras jamais assez. Je te le dis. Hein. Donc, amasse, fais quelque chose. Amasse. Ah bah, je sais pas, mais j'ai pas envie de calculer. On part sur une petite base. Et je suis gentil. Je pense qu'on part sur une petite base de 20 000. Mmh. Et je suis gentil. J'arrondis les angles parce que vraiment je t'aime beaucoup. Pourquoi t'as besoin d'autant de caillasse? Parce que j'ai un type qui a besoin de beaucoup de caillasse. Et ça, c'est sans te parler de ma flotte. Non mais gros, 20 000, c'est énorme. Bah, chez moi, c'est dérisoire 20 000. Hein. Ouais, chez moi, quand on veut améliorer un truc, c'est 20 000 balles. C'est comme ça que ça se passe, mec, hein. Avec mon petit empire à 6 cailloux, là. À 6 cailloux, 6 paysans. À 6 fois 6, 36, ça fait beaucoup de paysans sur des cailloux. Hein. Incroyable, hein. Ah oui, j'aurais aimé remplacer cette merde à l'origine. Est-ce que c'est toujours possible, / réalisable? J'ai fait quoi? Ah oui, j'améliore le monde. Ah mais oui, mais c'est complètement ça. Mais c'est bien sûr. Oh, le pouvoir incroyable. Oula, ça y est, j'ai besoin de tout ton pognon. Tout ton pognon. Vraiment tout. Tout ce que t'as. Je t'en envoie déjà pas mal. Alors déjà, envoie-en pas plus de 11 000, sinon ça va se perdre dans l'espace, tu sais, la limite de stockage. Tu vois ce que je veux dire? Mais 13 000, attends, stock. Non, on voit pas 13 000 parce que je suis limité à 12 500 de stockage, je crois. Je suis limité à 12 500. Ok, j'ai déjà t'envoyé 10 000, ok? Ok, bon courage. Je vais te ruiner. T'as combien de côté là? 57, je viens de tout claquer. J'ai plus rien. J'ai pas une thune. Okay. Courage, j'y crois à mort. Flotte possédée? Il y a 3 flottes. C'est quoi le first expéditionnaire troupe? Hein? C'est quoi ce machin? C'est un croiseur? Et pourquoi tu rejoins pas
Putain, ouais, il est 10 000 là. Ouais, attends, j'essaie de fusionner deux flottes là. Pourquoi tu veux pas fusionner ces flottes en créant une qui dépasserait notre limite de 80 de commandement? Ah, je suis déjà plafonné! Ma vie est dégueulasse. Change ta base de station. Oui, tu vas aller à ces ventes. Ça s'appelait 10 000 ou ils vont disparaître hein. Attends, ça arrive. Ah, mais tu les as pas pris, non, je les ai pas encore pris. Je les accepte. Alors, je te remercie pour ce don généreux à l'Empire Klingon. L'Empire Klingon accepte de te retourner une insulte si tu le souhaites. Oh là là. Je ne le souhaite pas. Pardon ? Mais j'ai de la techno. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah non, il y a encore... Oh là ! Oh là, il est cher mes copains, je vous jure, hein, c'est terrible. Ah, je suis trop riche. Est-ce que tu veux un peu d'argent ? Rends-moi-en. Ah, sinon, attends, je peux aussi... Attends, je vais essayer de voir si je peux acheter un autre truc, commander une œuvre d'art. Incroyable. Je voudrais acheter un bijou. Marché conclu, tiens, prends du cash. Casse-toi, salaud. Tu gagnes combien par tour? En dollars? En tout. TTC, je suis... je gagne 100 énergie, 106. 31 de cristaux, de minéraux. Ouais, et 17 de bouffe. Je sais pas pourquoi j'ai chuté énormément. Ah bah si, bah parce que je viens de coloniser et que du coup je suis en pleine expansion de colons, donc c'est pour ça que je suis en chute libre là-dessus. Je gagne plus 3 d'influence. C'est tombé, j'étais à 4 pendant la guerre, c'était bien. 4 ou 5, je sais plus. C'était bien. C'était bien la guerre. Et je suis à 96 par contre d'influence d'unité. Je te fie en retard. System survey. Oh, c'est pas mal en vrai pour avoir 6 cailloux. Construction complete. C'est le caillou qui te manque le plus. Sinon, ça va, mais c'est le caillou. 120 en physique, 63 en sociétal et 62 en ingénierie. Je suis obligé d'être à la ramasse, mec. J'ai un mini territoire, j'ai pas de planète, tu le sais. C'est les planètes qui te bien sûr. Mort, quoi. C'est ça, c'est un truc de fou. Non, évidemment. C'est vraiment les planètes, c'est vraiment que tu le. Ce mec à droite là, il a des planètes je pense en plus. C'est pas des savanes en plus, c'est connard. Non, Tropical c'est après chez lui là, ça a été pris, ça a été avalé par l'autre connard du système d'à côté, ça a été avalé. Ah non, ça a pas encore été avalé je crois. Ouais, ça a pas encore été intégralement avalé par Midfeld Allied Province. Ouais, enfin Connarman. Par un connard. Ouais, voilà, il en reste quelques-unes à droite de 70 en fait. Il y en a 3 étalées sur la droite de ce type. Il y a un système non revendiqué. C'est une grosse guerre, ouais, je pense. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Faut aller poutrer des gens, je pense. C'est des pirates, à tous les coups. Donc j'ai une première flotte expéditionnaire que du coup je vais fusionner à toi. Hein. Non, c'est l'inverse. Tac. Et tac. Et fusionner. Très bien. La première garde, donc retour. Cassez-vous de là. Barrez-vous. Et puis, toi, paye renforcer la flotte pour 1007. D'où je suis en négatif en caillou? Ah oui, je suis en négatif parce que j'ai une flotte qui se déplace. Oh, ma vie est tellement chère, au secours. Au secours. Ah, bien. J'ai trop cher. Bon. Mais je te remercie pour tes thunes, hein. Hein, j'ai plus un copec, hein. C'est gentil d'avoir participé à l'extension de l'Empire Klingon. Oh mon dieu. Ouais, Bizaké, ok, on paye une réduc. Ça c'est pour ses ventes. Très bien. Alors là, il manque encore 2000 balles, quoi. T'aurais pas 2000 balles qui traînent? Si, attends. Ah non, mais je déconne. Je déconne, c'est bon. Non, mais attends, je vais arrêter de te raquette, gros. Va 6000. Tu vas être en PLS, arrête tes conneries. T'inquiète, moi je suis tranquille, j'ai plus d'ennemis à mes frontières. Attends, ceci dit, je suis en train de te dire. Attends, la base de ces. Non, j'ai pas besoin pour.
Je t'ai dit de, je t'ai dit de la merde. Est-ce que j'ai mon quartier d'équipage? Oui, j'ai mon quartier d'équipage, très bien. Nice. Incoming transmission. Ouais, si tu me donnes encore de l'argent, je claque tout tout de suite, hein. Instantanément. Allez, hein. Merci, bon bah je claque tout de suite. Voilà. Pour le bien de la VOD, regardez Boobies qui paye tout ce qu'il a. Il est obligé de m'envoyer son caleçon par la poste, tellement il me donne tout. C'est ça, ouais. Il n'a plus rien. Ah, ça va. Ah, ici ça paye. Hein. Moi, franchement, je t'ai dit, je suis bien dans mon côté. Hein. J'ai pas d'ennemis. C'est surtout toi que maintenant qu'il faut que, vu que t'as que 6 planètes, autant que je t'aide, tu vois. Ouais. Parce que là, j'ai. Moi, est-ce j'ai. Que quelque part, je surdépenserai pas tout. On en est à 6. Ouais, je peux même pas. 1, 2, 3, 4, c'est fini, y'a plus de thunes. Allez, c'était bien. Putain, comment on fait rien en fait avec 3000 balles? C'est ouf! C'est ouf, comment on fait rien avec 3000 balles? C'est une histoire, mon gars. Moi, j'ai créé un nouveau secteur. Un secteur qui s'appellera Pognon pour l'Empire Klingon. S'il te plaît. Si il faut payer des impôts chez toi, s'il te plaît. Parce que là, chez moi, ça commence à devenir très très compliqué. Tout coûte une fortune. Le problème, en fait, c'est vraiment... C'est que vraiment, en fait, les bases spatiales, en plus d'être très nulles, d'être vraiment nulles à chier, puisqu'elles ne défendent pas. Enfin, elles défendent très mal, sauf quand tu les attaques. Hein, elles sont très fortes en soi. Mais ce qui t'intéresse, c'est de protéger la zone dans laquelle tu les implantes. Et elles coûtent une fortune. Une fortune. Ah tiens, en parlant d'une fortune, économisons un peu de pognon pour voir. Et alors ? Okay, j'ai créé mon nouveau secteur. Ça économisait juste de... du fric. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Bon, je vais aller voir le marchand. Je vais aller vider du pognon. Ça va être bien. Là, toi, je te connais pas, tiens. Si je te faisais un deal, paysan. J'ai payé ma tradition, qu'est-ce que tu me fais? Nous souhaiterions acheter des minéraux. Ah. Pikachu est mort. Ah. D'accord. Ah mais il veut de la bouffe ce con. Oh non mais ah non voilà tu prends, voilà, tu prends l'argent aussi, voilà. Voilà, tiens. Le stockage de ressources ça va être plein. Ah l'influence je suis plein. Ça dégueule d'influence cette connerie. Mince. Voilà, au revoir. Nouvelle recherche, cool. Ah des ressources à exploiter. Oh nice. Sauf que je sais pas ce que j'ai. Cristaux de Teldar, machin bidule. J'ai ni l'un ni l'autre dans ma galaxie. Merci. Merci. Bande de cons. Il me propose d'exploiter 3 ressources. J'ai aucune des 3 ressources. Wouh. J'en ai genre au moins autant à exploiter. Et j'en ai aucune des 3 qu'il me propose. Ou alors les couleurs sont pas les mêmes. Ah oui, ça c'était peut-être ça. En fait. Anderson machin là. Un minerai d'aurilium. Allô? Hein? Ah non, j'étais en train de battre avec le truc. Minerai de garantium. Mais non, c'est de la merde. C'est de la merde en barquette là, c'est quoi tes conneries? De l'aldar? Et du xurantique. Ah si, ça j'ai, vas-y. Roule là-dessus. J'en ai comme un. C'est con qu'ils remettent pas les couleurs d'ailleurs. C'est un petit peu l'arnaque, c'était une connerie. Ah, je vais pouvoir utiliser mon vaisseau de construction un jour. Il est où lui? Tiens, sors de ta grève. Putain, et le mec, c'est le chômeur le mieux payé du monde quoi. Il est en grève technique, il est en chômage technique toute sa vie. Ça fait 4 générations qu'ils sont en chômage technique. Là, ils vont bouger leur vaisseau pour la première fois. C'est même pas pour construire un truc. Hein. C'est juste histoire de dire qu'ils sont en position. Comment je claque de l'influence? Aller voir une planète, genre la capitale. Ah, je crois que directement ici, je peux payer, je peux fracasser des gens. Politique et décret. Politique de santé, on s'en fout. Surcharge de capacité. Sein de l'Empire. Non, je m'en fous de l'argent, j'en ai. C'est pas le problème. Production de minéraux au sein de l'Empire. Je paye.
Ouais, vas-y. Eh, hey, tu sais quoi, je paye tout là. Je dégueule de. Voilà. Réduis-moi l'argent. Réduis-moi l'argent tout de suite. L'influence, ça déborde. Ça dépense, ça déborde. Renforcer la flotte ordonne. Bah oui, je suis fauché. Évidemment. Évidemment, quelle question. C'est pas ce qui dégueule. Oh là, c'est tellement terrible. C'est fou, c'est qu'après ça, il me reste encore un niveau. Genre là, je suis en cours d'amélioration en forteresse. Mais genre, après la forteresse, il y a encore la citadelle, quoi. C'est quoi l'intérêt d'augmenter une station au niveau citadelle, s'il vous plaît? Est-ce que je peux savoir? Bah, déjà, tu peux mettre plus de plateformes défensives. D'accord. Et tu débloques un truc de plus. De base, elle est déjà plus forte. Mm-hmm. Fait, oui, bien sûr. Tu peux débloquer, t'as plus de plateformes défensives aussi après à mettre. Et t'as un nouvel emplacement de module. Simplement. Ah, donc là, je vais même pas déblaquer pour la forteresse. Mais si, je vais débloquer. Ah non, d'accord, ok, effectivement. Effectivement, faut que je débloque Citadelle pour avoir Citadelle, le dernier emplacement de construction, en effet. C'est ça, ouais, c'est Citadelle. Ouais. C'est les meilleurs. 6000 crédits pour ça, c'est de l'arnaque. C'est une putain d'arnaque. C'est chaud. C'est une putain d'arnaque. Après les Citadelles. Mais ça sert à rien, tout le monde passe à côté, qui s'en fout. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tout le monde passe à côté. Tu les méprises, tu les regardes, tu fais. Tu leur envoies un molar, ça arrive dans 3000 ans, mais. Osef, qu'est-ce que t'en as à se tirer? Alors bien une flotte Klingon là, vu par mon amiral. Ouais, une idée de con. Idée de con si tu veux mon avis. Ça me coûterait combien là dans la zone Voyage partout vert. Hein, enfin, merci, j'ai la technologie pour voyager partout vert parce que j'ai un trou de verre dans mon territoire. Ah, moi aussi je pouvais faire cette techno mais ça m'intéressait pas. Moi je l'ai fait, je veux voir où ça mène parce que ça peut peut-être me permettre de m'expandre encore. J'en ai un mais je sais pas où il mène, c'est ça le truc. Construction complete. Ça se trouve il va arriver en plein dans ton territoire à Lictabon. C'est possible. Ça peut être bien. Où ça? À Lictabon, là il y a un trou de verre, je vois chez toi. Zipok Vortex là. À droite, Lictabon, pas un trou de verre. Juste un peu en haut à droite là, il t'abonde, t'as un trou de verre. Tu confonds pas avec quelqu'un d'autre là? Non, je suis bien chez toi. Moi là j'ai un truc là, j'ai un vortex. Ah, un trou de verre! Trou de verre? Juste en haut à droite. Non, Rixar Mao. Tu vois ton système Nictabon, tu vas à droite de ton vortex. Je vois pas Nictabon déjà. Tu vas à droite de ton vortex, t'as Corinthe, après en haut à gauche t'as Vulcam et en haut à droite t'as Nictabon. Et t'as un trou de verre. D'accord, ah oui, c'est exact, j'y ai mis une base de recherche, en effet, avais-je oublié son existence. Ah oui, ça serait rigolo. Ah, ça serait rigolo, mal, hein. J'avoue. Il y aurait du lol. Bon alors, Schlepp, ça crève un peu ou pas? Ça se passe comment chez vous, là? Ça pue du cul un peu? Est-ce que ça... Hein, c'est bon, ça bombarde au calme? Ouais, ça bombarde au calme, si. GG. Il se fait défoncer, hein, Seventy, hein. Il se fait défoncer au sud, hein. Ça fait plaisir. J'aime voir les gens mourir. Il a même pris une planète, hein. Ah non, il l'a pas pris. Il l'a pas pris, il est en train de bombarder. Ah, mais c'est à ça que me servait l'influence. Mais oui, mais c'est bien sûr. Il est où, Seventy, là? Seventy Conarman, là. Communiquer avec ce mange-mort. Avancer des revendications. Alors, j'ai déjà ces deux-là. D'accord. Je veux... ça aussi. Et puis je veux ça aussi. Et après avoir vu, je peux pas demander plus. Ah, je peux revendiquer pour 192. Ah oui, j'ai plus assez d'influence, du coup j'ai tout claqué comme un con. Ouais, vas-y, je revendique. Voilà. Tu m'as l'air assez occupé au sud, j'ai presque envie de t'attaquer au nord, du coup. J'avoue que c'est très tentant. Il a encore... Ah, t'as une armée de 10 000 là, ouais. Mais est-ce que t'as une armée terrestre, hein? Parce que je t'ai dit, il faut prendre les... Alors normalement j'ai des terrestres, mais je sais plus où est-ce que je les ai campés. Ils sont où? Ils sont sur Sarovan. Ils sont 5.
Ils sont 5. La puissance de ton armée. Ouais, ils sont nazes. Hein. J'ai jamais boosté mes gars, ils sont nazes de chez nazes. 358. Ah ouais. Ouais, c'est pas énorme. Ah non, c'est minable, mais je m'en fous, je te rappelle que je peux les avoir au bombardement aussi. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est à toi de voir. Hein. C'est très intéressant tout cela, mais je vais d'abord, dans ces cas-là, renforcer la deuxième flotte. Et je n'ai plus de cailloux. Construction complete. Bien entendu, deuxième flotte. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? 2000 balles? Construction complete. Construction complete. Vas-y, prends 2000 balles. Casse-toi avec ton pognon. Tu m'emmerdes. Fous-moi la paix. Oui, être un Klingon avant tout, c'est être extrêmement blasé. Oui, portée disparue, oui. Je vais finir par suicider mes vaisseaux scientifiques, ça continue comme ça. Ça m'énerve. Je veux qu'ils me foutent la paix. C'est très important. Et toi, j'ai sur 80. Donc toi, l'objectif là, c'est que tu montes à 80. Donc, si je comprends bien, c'est Ziris qui te produit subitement des unités. Et Chronos, parce que vous avez bien demandé à Chronos de faire le taf alors qu'elle n'a aucun boost. De mes deux, d'ailleurs, il faudra peut-être que je lui en mette. Académie de la flotte, du coup. S'il vous plaît. Un deuxième carrefour commercial. C'est pas vilain non plus, hein. Mais non. Hors de question. On va partir sur un chantier spatial et ancrage. Voilà. Très bien. Formidable. Research complete. Oh, recherche complète. Magnifique. Incroyable. Test de construction des destroyers. Plus 25%. Coût des destroyers, moins 5%. C'est pas dégueu, ça. Ça, c'est pas dégueu. Hein. Mais j'ai envie de continuer à faire les recherches sur les ressources, parce que je voudrais tout débloquer en ressources, là. Et c'est pas des recherches très très longues, en plus. Oh, 180$ de station minière, mais ça fait plaisir, ça fait de l'argent qui rentre. Pourquoi j'ai des troupes chez moi, de chez Seventy? Mais quand, en fait? Quand, toi, espèce de fils d'up? Fermer les frontières. Confirmé. Déclarer la rivalité. Confirmé. Insulter. Confirmé. Et après, c'est que des trucs sympas. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Est-ce que je peux revendiquer un nouveau truc? Est-ce que j'ai assez de pognon? Oui, prends ton pognon. Mais casse-toi, putain. Mais qu'est-ce qu'il me demande comme fric, l'autre connard? C'est incroyable. Et je veux Baxom aussi, maintenant. Oui, je revendique tout le temps, un peu plus. J'aime l'argent, j'aime l'amour, j'aime la drogue. Amen. Je veux prendre ça aussi, je revendique. Voilà, ouais, bah ouais, méchant mec. Hein. Oui, on prolonge, d'accord. Prends ton fric aussi, toi, casse-toi. Et dégagez. Oh, je suis en pleine guerre, les mecs sont là. Eh, s'il vous plaît, cher Jean, cassez-vous, quoi. Tiens, reprends ton insulte, là. Vraiment, ça me fait plaisir, tiens. Ferme ta gueule. Baisse les yeux. Oh, t'es moche en plus, pour un Seventy, t'es dégueulasse. Pourtant, faut le faire, hein. C'est vraiment dégueulasse, un Seventy, hein. De base. Alors, plus dégueulasse que dégueulasse, c'est quand même... Faut avoir envie, hein. On est où, là? Pantalon, c'est où, ça? C'est où, ça? J'ai perdu un de mes scientifiques qui était super fort. Pantaroom. Ah oui. Full ancrage, donc. Je remets vite en normal de tout le monde. Oui, mais c'est normal, les scientifiques, ça vit, ça meurt, et surtout, principalement, ça meurt. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant. Je te laisse broder. Ouais, vas-y. Bon, alors... Oh là, j'ai que des scientifiques nuls. Tac, 35 ans, on va mettre ça en attendant. Deuxième secteur, géré. Je vais laisser le jeu en normal tant qu'il est pas là. Alors. Comment se déroule la guerre entre les Seventy et les Jaskava?
Ragnar et Raclel, c'est 20 Didi donc. Encore des agitations chez moi, comme d'hab. Les champignons, ils sont pas contents. Aïe. Ah oui, tout le monde a profité de la qualité de mon ancien casque, c'est ça? Oui. Ah, donc t'as comblé la base de aïe aïe aïe. Oui. C'était bien. Eh, vous saviez quoi? C'était pour un sondage à but non commercial pour l'État. Non. C'est bien. Ouais, je trouve aussi. Ah. Heureusement, je suis un connard, je leur ai dit d'aller se faire foutre. C'est vrai? Ouais. C'est gentil ça. Enfin, gentiment, je l'aurais pas dit, méchamment, attention, hein. Je déteste la grossièreté, surtout avec des gens qui sont payés pour être sympas avec toi, enfin voilà, c'est pas le problème. Nébuleuse. À quoi ça ressemble, une nébuleuse? C'est les... C'est une étoile qui a explosé. Et tu vois, bah par exemple, là, là où il y a ton vortex. Oui, c'en est un? Fait une espèce de nuage bizarre autour. Non, c'est pas une nébuleuse, ça, je crois. Tu dis de la contre, merde, hein. T'en as une à... À vous, tu mens. Tout à droite de ton empire. À Forbidden. Bah si, c'est nébuleuse. Ah, je savais que tu mentais. Bah là aussi, regarde, tu vois, t'as plein de systèmes dans la nébuleuse. Je sais pas si tu vois, qui sont un peu dans des nuages blancs à Forbidden Nebula. Dans tous ces systèmes, tu peux créer des... raffineries nébuleuses, je sais pas quoi. C'est ça. Bah c'est ce que je suis en train de faire. Après une longue période, hein, Alien Freedom Committee là, a fini par adopter cette faction faisant de la sienne pacifique. Faisant entrer dans cette faction au sein de son gouvernement, elle est devenue plus ouvertement xénophile. Et c'est un problème, il faut que je les bute maintenant ou tout de suite? Non, c'est bon, ça a l'air de rouler. Non, ouais, les gens, ils ont l'air contents. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Jazz Gavaz, c'est mon pote. Je lui filerai bien un billet. Oh merde, j'ai bougé la carte. Ah, du coup, je suis perdu au secours. Hé, hey, Jazz! Mon pote Jazz. Il est où, mon pote Jazz? Hé, hey, Jazz! Il s'appelle Jazz, c'est un mec qui a le rythme dans la peau et tout. C'est un mec sympa. Moi, je voudrais te proposer... proposer un accord commercial. Je pensais te filer un peu de pognon. Que dirais-tu tout de suite là de comme ça là, genre comme ça tout de suite tu vois on discute. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rentrer la somme soi-même? Est-ce que ce jeu est vraiment débile à ce point-là? Alors attends, c'est si. Ah, excusez-moi. Kiffez un peu hein. Faites pas chier. Ok ok. Alors il faut que je fasse contrôle plus shift et que je clique. Ah oui, il veut pas me donner de... Pas un caillou, quoi. Tu vas être gentil, tu vas te mettre à jour, quand même. Bon, vas-y, prends. Prends 9000 balles, ferme-la, dis-moi merci, et voilà, on est quitte, hein. Voilà, j'avais 9000 balles de trop qui traînaient. Qu'est-ce que c'est que toute cette merde, là, qui tourne autour de chez moi, là? Proposition commerciale. J'accepte ce don avec gratitude. Ah bah, écoute, c'est l'homme champignon là à côté qui offre. Un champignon man là. T'es ouais. Pas un champignon mais tu manges des champignons, c'est pareil, y'a aucune différence du coup. J'arrive pas à percevoir cette différence. Alors tu m'avais dit où est-ce que je pouvais. Ah ouais, tout le secteur là à droite de chez moi en fait c'est que des nébuleux, c'est ça le deal? Bah tu vois là dans le nuage là un peu là, ça fait quand sur la carte tu vois Forbidden Nebula. Ouais. Ça te fait un peu un nuage blanc comme ça, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, ça, je perçois. Tu vois, t'as plusieurs systèmes. Il y a plusieurs systèmes dans la nébuleuse, tu vois. Ils sont tous dans la nébuleuse, là. D'accord. Après, honnêtement, je le fais quasiment jamais, c'est pas rentable. Bah, pour moi, si. Si t'en as besoin, vas-y, fais. Je t'en prie. Moi, c'est même vital pour moi, vu que j'ai très très peu de planètes, j'ai pas le choix, je suis obligé de miser à mort sur toutes mes stations, comme jamais, en fait. J'ai AFK 2 minutes et j'en... D'accord. Tu vas te nettoyer les oreilles, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Ah, je suis vraiment désolé pour le but du micro, c'est moche. Alors, une reprise dégueulasse sur un jeu dégueulasse. Vous me détestez pour cela. Alors que moi, je vous ai toujours aimé. Vous êtes terrible de ne pas me rendre mon amour.
Ah, toi, tu vas venir là, en fait. Je m'en fous de cette ferme de noix, là, à con, là. Ah, toi, viens ici tout de suite, c'est plus rentable. Voilà, et puis toi, en fait, tu viendras là directement. L'énergie, c'est la vie. Faut que tu payes. Faut que tu payes. Faut payer, gros. On n'a pas le temps. Je sais que j'ai des planètes dégueulasses, genre celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment dégueu, quoi. Est-ce qu'on peut pas te remplacer par un vrai truc, voilà, genre une centrale d'alimentation. Là, on discute. Là, au moins, on a l'air sérieux quand on arrive avec une centrale d'alim. Oui. Là, voilà. On est dans le sérieux, on est dans le professionnalisme. Reconnu, quoi. Ça, par exemple, pareil, j'aimerais bien le remplacer par un petit dôme du paradis, voilà. Voilà, on discute. Voilà. On est dans des vrais choix politiques, là. Une forteresse, ça, une forteresse, par exemple. Ça, c'est bien un truc qui coûte cher et qui sert officiellement à rien. Démoli. Oui, démoli ça. Ça, c'est quoi? Tu peux l'améliorer même. Je ne sais pas ce que tu veux. C'est quoi? Incoming transmission. C'est un labo de physique actuellement. Et pour le passer en labo de physique du dessus, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi désactiver ce bâtiment, démolir, remplacer, améliorer? Construction complete. On va le remplacer par un bâtiment de chez nous, comme ça, ça marchera. Construction complete. Je sais pas pourquoi ils veulent pas marcher. Research complete. Je propose pas de les réparer en plus. C'est assez étonnant. Donc, remplacer par des bâtiments de chez moi. Hein. J'ai pas le temps pour ces conneries. Ah, mais c'est un labo, ça aussi, en fait. Et regarde. Paf, un petit générateur de bouclier planétaire. Moi, je dis, on discute. Construction de base stellaire, moins 25%. Coût de construction de base, moins... Oh, pff, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est... Alors, en même temps, il y a réseau minier 3 aussi. Hein. Ça, c'est la vie aussi grave. C'est grave la life. T'as vu qu'il a perdu la guerre, le Sevanti? Ah, il a perdu la guerre? Oh, ouais. Il s'est pris une branlée, mais non! Mais non! Et... Oh, c'est triste. Il a séparé son territoire en deux, déjà. Ah, mais non, ça, c'est triste. Il a séparé sa capitale. Oh, mais me dis pas des choses comme ça qui me font mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, c'est pas gentil ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Cet homme, il galère dans la vie, c'est pas évident. Voilà, t'es méchant. T'es méchant. On le dit pas assez souvent, mais t'es un empire méchant. Alors que nous, on est sympa. C'est ça, ouais. Quoi, moi je suis empire Klingon, y'a pas plus sympa que nous. T'as dit quoi avant? J'hésite à lui péter la gueule. C'est pas vrai, j'ai jamais douté. Je vais lui péter la gueule, ça n'a rien à voir. Y'a pas de doute sur la question, en fait. C'est bon, elle a été renforcée ta flotte de merde ou on peut encore te renfou un peu là? Allez, je te renfou. Bien cassé. Tu lances qu'Aziris, hein, tu lances pas Chronos, hein, de flotte. Parfait. Ziris qui est toujours pas amélioré, hein. Ziris, c'est une station un peu plus la merde, quelque part. Elle a cette espèce de karma qui sent pas bon, tu vois. C'est un swag. Alors, est-ce que mes planètes se développent là? Oui, ils se développent. Alors, rythme. Technologie, ça avance pas de ouf, hein. Ah, par contre, et j'avoue, les ingés spécialisés, en vrai, ils meulent les projets quand même super vite. Hein. Ah, ouais. Tu vois la taille des projets, tu te dis quand même le mec il meule. Qu'est-ce qu'on crée, Aziris? Parce que oui, je renforce, mais avec quoi là? Ancrage, bureau logistique, machin. Oui, non, mais c'est le chantier naval qui m'intéresse. Croiseur. D'accord. T'as choisi des croiseurs. D'accord. Bon. Si vous voulez. Parce qu'après l'armée, maintenant, moi, je fais la composition des flottes, ça sert plus à rien. C'est mes leaders qui décident ce qu'ils font de leur vie. Hein. Ce n'est plus moi. Non, c'était pas moi le patron, visiblement. Visiblement, c'est les autres. Incoming transmission. Construction complete. Quelqu'un veut me donner du pognon et des cailloux contre un versement mensuel de cristaux urantiques. Avec quoi le cristal urantique? Je sais pas si j'en ai dans les trucs.
Non, moi j'en ai deux. Bon, allez, vas-y, j'accepte. Je sais pas. Allez, vraiment parce qu'il a une sale gueule, du coup, j'aime bien, j'accepte. J'aime bien les gens qui ont une sale gueule. Voilà, je trouve que c'est un charme en plus. Je te rappelle, j'avais pu construire la vapeur d'Angos qui fait la production des ressources des pop plus 10%. Est-ce que t'en veux un? Construction. Bah oui, si t'en as en rab, bien sûr. J'en ai deux, donc je t'en file. Ah oui, bien sûr, si t'en as en rab, avec grand plaisir. Production plus 10%, donc tu vas peut-être voir tes stats bien changer là quand je vais t'offrir ce truc. Alors tu vas me dire si ça va vraiment augmenter ou pas. Ah bah c'est certain. J'ai même pas besoin d'attendre pour te dire que ça va. Nécessite que ce soit dans un système. Pourquoi Xifrix, t'es pas dans une nébuleuse. LOL, genre t'es pas dans une nébuleuse. Mytho. Regarde ça, dis-moi si ça te manque beaucoup là. Quel jeu de fils d'up. Alors, 104 et 140. Si j'accepte. Alors on est passé de 104 à 165 et l'autre j'avais dit combien? Je sais plus, 140 je crois. 140. Je suis passé à 196. Ça change c'est beaucoup. ça change beaucoup de choses. J'ai un méta vivant encore que je pourrais exploiter mais j'ai pas la technologie, ça m'énerve putain. Là, moi j'ai plein de trucs encore que je peux exploiter mais il y a tellement de trucs. J'ai pareil, j'ai des matières noires, je peux pas m'en servir. Je peux pas les exploiter. Et j'en ai 3 mec. C'est plus tard, ouais, c'est plus tard. J'ai 2 cristaux d'Aldar, je peux pas m'en servir, hein. Je peux pas les exploiter. Ah, ça je peux! Ah, bah tiens, je vais même t'en filer un, hein, ouais, tiens, oui, je vais te faire une donation à ce qui paraît, soi-disant. Bon, bref. Et attends, peut-être que j'en ai déjà et ça se trouve, il y a un mec qui va venir, il va faire oh, est-ce que je peux. Ouais, ça, mais ça y est, j'en ai déjà prêté un et les autres ils vont se faire foutre, toi d'abord. Le Yurantik, cristaux Yurantik. Cristaux Yurantik. Non, j'ai pas. Je veux bien alors. Je sais pas ce que ça fait. Hein. Je vais te dire. De toute façon, tu vas te tuer. Alors, si, attends, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Attends. Dispose de propriétés réflexives rares permettant d'accroître la puissance produite par les armes énergiques. Dégâts causés par les armes énergétiques, plus 20%, monsieur. Ouh, énergétique. Ah, c'est bien. Ça. Ah, c'est beau, hein, c'est sexy. Très, hein. Je comprends pourquoi l'autre, quand il m'a vu avec un deuxième cristal, il l'a raqué tout de suite. Hein. Il a fait tiens, de l'argent. Mais monsieur, vous êtes sûr autant de... Tiens, prends l'argent. Mais vous êtes pas obligé. Prends l'argent, je te dis. Avec limite, il va sauter à la gorge. Je vais pouvoir voir où ça mène. Station de Carovon, elle est où? Elle est là. Alors, explorons cette route verte, mon ami. Et déplace-toi base. Voilà, ça va faire la gueule instant. Et cette route verte m'amène au système de Nietz. Ouais, c'est bon. Qui est où? Niet, c'est où ça, Niet? Ok. Holy shit! Mm-hmm. Ok, ça me mène en plein dans une... tout à droite de la galaxie. Alors, c'est pas ouf, parce que du coup, lui, il va pouvoir m'attaquer par là. Ouais. Bon bah s'il est déjà sa puissance maximale. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une station ici. Mais même lui il a des flottes plus puissantes que les miennes. Mais je suis ridicule, je suis pathétique. J'en ai marre du rap là. T'as quoi, bon il est où ce connard là? C'est Venti United là, communiqué là. Avancer des revendications. Alors je veux aussi ce truc là. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Je veux. Tu donnes. Quand on est gentil, on prête. Je veux ça. Et je veux ça. Quand on est gentil, on prête. Ou alors on donne. C'est toi qui vois. Hein, sur Shugelia, il y a déjà une... Ah, je vais retirer alors. Je vais retirer là et puis je vais péter à ça et ça. Je veux pas embrouiller avec mon pote. C'est mon pote. Bien plus que toi. Voilà, lui me coûte du fric, toi tu m'en donnes. T'es vraiment un mauvais pote. Bah déclarer la guerre, connard. Moi je veux que tu payes maintenant. Y a pas de... Quoi?
Revendication, hein. Moi je veux... Inviter des attaquants, on peut inviter des gens. Oh. Oh, tu t'appelles comment toi? C'est l'Horatian Seis, hein, c'est ça. C'est l'Horatian Seis. Ah, je peux pas t'inviter à combattre. Oh, c'est triste. Déclarer la guerre. Ouais, casse-toi maintenant. Est-ce que tu peux ralentir, s'il te plaît? Paf. Et la deuxième flotte, paf ici. Construction complete. Ah non, je devrais pas. La deuxième garde, je devrais l'envoyer là. Et je devrais... Un carovon, il y a quoi déjà? Merde, je sais même plus ce qu'il y a sur mes... Je sais même plus ce qu'il y a chez moi, là. À C20, par exemple. J'ai de quoi monter, mais j'ai pas d'officier, donc il faut que je fasse ça à Aziris. Ok. Paf, pif, paf, paf. Ça, on s'en fout. Où est-ce qu'on recrute des cons? Je sais plus. Pas grave, on recrutera des cons après. Aziris. Bureau de logistique. Ah ouais, ouais, c'est, si tu veux. Comme on dit dans le milieu, si tu veux. Ça, ça sert à rien, ces trucs-là. Yes, putain, j'aurais plus de problème. Voilà. Nice. Et au chantier, on va créer... Tu me dis quand je peux relancer, hein. Je regarde dans ce qui me reste, je lance ma construction de flotte. Et puis... Oui, c'est ça, 238. Allez, une corvette avec. Tu peux reprendre un peu de cadence si tu le souhaites. Rapide. Oui, rapide, oui. Oui, très bien. Ok, de toute façon, c'est qui gère. Je déplace. Bah, en fait, je suis en train de faire la guerre à l'autre con. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre con. Bon, on l'appelle l'autre con dans le milieu, en fait, on oublie de lui donner des noms. Ouais, c'est ça, c'est le 70, exact. Enfin, on l'appelle aussi moche dans le milieu. Le truc, c'est que... Vas-y, tu peux balancer en très rapide si tu le souhaites. Si ça t'arrange. Son empire, là, c'est pour vraiment que tu prennes plus ses planètes au nord, il est mort. Il est mort. Si tu... Bah, surtout que j'ai commencé à vraiment à revendiquer la moitié de chez lui, quoi. Donc ça commence à devenir... très très chaud pour lui, si tu veux. Non mais, détruisez ça. Engaged. Voilà, c'est ça, détruisez ça, voilà, on n'en parle plus. Là, on le piou-piou, on le piou-piou, piou-piou, piou-piou. Faites des piou-piou. Faites des tas de piou-piou. Piou-piou-tez-le comme Jaja. Oh, elle met quand même le tarif, hein, sa petite station. Hein. À partir de là... On saute ici. Hein? Ah, je peux pas? Ah oui, je peux pas parce qu'il faut que je... D'accord, il faut que je fasse ça. Détruis-moi ça. Détruis-moi ça. Non, mais ça. Voilà, c'est ça. Bousillez-moi ce truc. Et je crois qu'il faut que j'envoie, sauf erreur de ma part. C'est des vaisseaux comme ça, comment? Ah non, c'est pas ça. Oh, j'entends limité. Ouais, ça sera des vaisseaux de construction. Oui, j'enverrai ça. Nice, nice, nice. Ah, mon vaisseau de construction finit ton petit aménagement et tu pourras avoir ton petit cristal qui donne des petits bonus de pénétration. Très intéressant. Ah non, point de douter, bien sûr. Moi, j'ai hâte de passer dans 70 mois. Se calmer là-dedans. Pourquoi 70 mois? Qu'est-ce que t'attends comme technologie en particulier? C'est pas une technologie, les traditions. Prémacie, c'est-à-dire débloquer mon troisième atout de l'ascension. Et ça, c'est bien. Et je sais pas ce que c'est, mais je suis d'accord avec toi. Ça va être génial. Ça, c'est les gros bonus quand t'as fini. Dans les. Ça, les points de tradition là, les points, les unités que tu gagnes là. Ça, tu débloques des bonus, genre soit l'expansion, la domination, tout ça, la diplomatie, la découverte.
Bah, quand t'as tout un arbre de technologie, bah, tu débloques un atout d'ascension qui est surpuissant à chaque fois. Ça, allez, d'accord, j'ai mon vaisseau qui est bloqué. Youpi! Youpi! C'est vrai qu'il y a ce genre de petit problème technique. 9400, alors. Ça va, t'as une bonne armée. 11 croiseurs, putain! Ouais, ouais, je commence à avoir quelques mecs quoi pour discuter un peu. T'as une armée terrestre à portée? Pas à portée, non, non, mais je bombarde de toute façon chez lui pour l'instant. Je l'ai rasé là, il reste plus rien. Là. En point de vie, ils sont tout en bas, ils sont en train de crever tout seuls. Il y a juste à patienter, ça arrivera. Mais oui, je vais faire décoller l'armée terrestre. Pour moi, donc je pense que pour toi, ils doivent être très bas aussi. Il a quoi comme armée d'ailleurs, lui? Ah, tu vois, et ça... là, il a une armée de 10 000. Hein. Ouais, ouais, il a une armée de 10 000. Et tu vois, ça y est, Pagol est tombé. Hein. Pagol est tombé. Ouais, ouais, ça y est, ouais, regarde. T'as pas... Il est pas à toi, le truc. Non, non, mais l'armée terrestre va arriver pendant ce temps-là. J'envoie l'armée terrestre tranquillement. Il a déplacé son armée... Il va attaquer ton armée de 6000. Hein. Il est à ta droite. Hein. Je sais pas s'il va essayer d'aller sur Servant en fait, c'est ça le truc. Alors, c'est la question. Il va droit sur Doomgar là où t'as ton armée de 6000. Je les fais décoller, ma troupe. Faut que tu les fasses revenir à Pagol. Non, non, ils vont pas à Pagol. Hein. Ils vont les affronter ici. L'affrontement aura lieu ici. 6700 contre 10000. Ouais, moi j'y crois à mort. T'y crois à mort aussi, hein. À vous. À vous que t'y crois. Ok, ouais, t'as les renforts qui arrivent. Voilà, voir, moi ce que je veux voir c'est surtout s'il va sauter avant en fait. S'il saute, c'est bon. Il arrive au-dessus. Il commence à rentrer, attention. Et puis il va arriver maintenant. Maintenant. C'est bon, il se TP? Non, il backdash. Non, non, il arrive. Non, non, il a backdash. Ah non, il a backdash, ouais, t'as raison. Il a backdash. Et la question c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il va m'attaquer chez moi? Il retourne sur... Mais t'as vrai, parce que c'est 20... Je pense qu'il va faire le tour. Bien défendu. Station. Il va peut-être faire le tour. Hein. Bien défendu. Y'a pas de problème. S'il bat la citadelle, je n'ai toujours pas effectivement les plans de la citadelle. Évidemment. Ok, très bien. Ah bah s'il fait le tour, qu'il ne se gêne surtout pas. Parce que moi j'ai tout le temps de le voir faire le tour. Hein. Pendant ce temps-là, voilà, je veux dire, on s'éclate, c'est la pilonnade, tout ça, tu vois. C'est la pilonnade en famille, tu vois. Research complete. Je vais te dire ce qu'il fait, hein. Je suis en train de surveiller. Débris analysed. Débris analysé, c'est très bien. Et je te confirme qu'il fait le tour, on dirait. Projet de recherche ici, s'il vous plaît. Non, je crois qu'il y en a encore un là où t'es. Ah, il y a un projet de recherche là, vas-y. Faut que j'en fasse un truc avec toi parce que sinon je vois plus. Je vais t'envoyer quelque chose. Hop. Nouvelle recherche. Azergien. Institut de recherche. Oh. Ça a l'air sympa ça en violet. Moi je pense que ce qui est en violet c'est bien. Bon, d'accord. Hein. Allez. Parce qu'en violet c'est bien. Oui, 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 tu veux voir. Mais vois, hein, essaie à quelque chose, attention. Hein. Sinon, hein, pan-pan cul-cul. Bah, hein. Je t'ai fait la compétition de recherche et je pense que j'ai plus de recherche que toi. Je suis en train de débloquer les croiseurs, je crois. Les cuirassés, pardon. Ah oui, merci, parce que j'allais dire, tu me prends pour un con, t'es gentil, les croiseurs, je les ai quand même. Les mecs, on peut plus de m'insulter. Ça y est, il m'arrive dessus, là. C'est la Alors, fête. Il est... Ouais, il est à poids. À poids-pou, c'est bon, il saute. Ah, ça y est, il va sauter. Il saute. Il arrive à Pagol. Par contre, il a scindé son armée, du coup. Il est plus qu'à 8006. Il va Pagol. C'est bon, il saute. C'est bon, c'est bon. Il y aura le fight. Science ship under attack. Attends, il est où le reste de ton armée, là? Hein, pourquoi il est passé... Le mec, il a sauté, il était à 8006 et maintenant il est... Oh, ne dis pas qu'il y a deux armées. Ton armée de 6-7 bouge pas, hein. Tu l'as pas fait déplacer. Hein. Attention. Quoi? Ton armée de 6-7. Ah oui, d'accord. Effectivement. C'est intéressant de souligner ce genre de trait particulier. Bah, là, mais je peux pas. Ouais, quoi que... Je peux pas. J'ai pas le droit de sauter. Merde, j'ai, bah, c'est pas j'ai grave. Pas le droit. C'est pas grave, je vais continuer à lui trousser. Fantarif de ouf.
Ah, on prend tarif tous les deux quand même en vrai. Hein. Ouais. En vrai, on fait les malins, mais on bouffe tous les deux. Hein. Je bouffe quand même plus que toi. Hein. Je peux comprendre que ça commence à devenir difficile pour lui. Il a fui. Il a fui. Il a son armée en haut, tu vas voir. Vas-y, ouais, va les défoncer. Ça, son armée terrestre, ça. Tu défonces. Hein. Tu pètes la gueule là. Oh, je laisse mon unité les poursuivre tranquillement. Jusqu'au bout de la vie. Construction complete. Quoi la puce? Ce jeu me dit de la merde. C'est pas possible. Ce jeu en fait me dit de la merde, je pense. Leader décédé. Notre scientifique est décédé. Pourtant, on l'a tellement remercié d'avoir joué. Bravo. C'est beau. C'est la belle mentalité. D'accord, mais ouais, c'est cool, il est mort, tout ça, tout ça. Donc on a Win, on l'a détruit, je pense, hein. Je crois qu'on a roulé dessus, c'est ça, officiel, tout ça, tout ça. Ouais, fais gaffe, lui, il va réparer, par contre. Lui va réparer, hein. Toi t'as des vaisseaux vachement, waouh, et même très très endommagés, hein. Ouais, ouais, malheureux. Est-ce qu'il y a une station d'assemblage? T'as pris là un cas? Non, mais je vais négocier la paix. Moi, j'ai deux de ces planètes, je négocie la paix. T'as deux de ces planètes? Bah là, je suis en train de prendre. Ah oui, non, je les ai pas encore eu au sol, mais. Ah oui. Je vais lui demander à la revendiquer. Je vais demander de l'avoir. Je vais essayer de l'avoir à la revendication. Il te la donnera jamais. Vu la puissance de la garnison, il te la donnera jamais. S'il est un, il a 622 de garnison. Et l'autre, il a 450, il te la donnera jamais. Tu poses des troupes. Ouais, faut que tu poses des troupes. Mmh. Ah, le problème, c'est que ça fait. En fait, c'est je lui. Tu es une armée terrestre. Hein. En fait, ce qui est compliqué, en fait, là, c'est que. Ce qui est dommage, c'est que j'aimerais juste faire une paix où je revendique juste ce que je lui ai demandé. Mais en fait, eux, jamais ils bougent leur cul, c'est ça le projet? D'accord, si je fais pas tout embarquer, personne bouge son boule, en fait. C'est vraiment le projet final. Très bien. Magnifique. Armée de mort, quoi. Putain. Bon, bah, j'aurai le temps de me faire plier en 4, hein. Ça va être bien, hein. En toi, le premier expéditionnaire, là, tu nous casses les noix, t'avances pas. Et c'est où, Ziris? Ziris, t'as fini? Construis plus de vaisseaux encore. Voilà. J'aime bien avec leur meilleur automatiquement, tu vois jamais ce que tu construis. Donc, croiseur destroyer, c'est bon, c'est valide. Il me restera un copec de thune pour une corvette. Je paye. Là, il y a 5002 qui m'arrivent dessus avec une flotte qui fait franchement la gueule. Et contient un ou plusieurs inhibiteurs hier. Ah, je peux pas le combattre. Je suis foutu. Ah, ma flotte qui a mis trop de temps à bouger son boule. Secours. Je crois que je vais devenir t'aider. Ça, tu peux toujours pas sauter là? Il peut toujours pas. Mais à ça, sa mère, tu peux faire pause, s'il te plaît? Tu peux faire pause, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi? Ah, ils ont un inhibiteur aussi sur leur surface de mort là? D'accord, c'est pour ça. Je me disais pourtant, putain, j'ai pris la station et tout. L'état des vaisseaux. L'état des vaisseaux, ces corvettes sont toutes foutues, ça c'est clair. Après, il est tout en croiseur, il bougera pas. Mes destroyers sont morts, mes corvettes tiendront encore un peu de temps. Les croiseurs... Croiseurs ? Ah ouais ?
Les croiseurs ne bougeront pas? Très bien, tu peux envoyer. Deux secondes. Ça va jouer à la taille du croiseur. C'est celui qui a le plus gros canon penny croiseur qui gagne. Littéralement. Je suis assez désavantagé au combat. Je sais même pas s'il y a cette station à la con qui tire. Tac. War declared. C'est bon, on peut reprendre. Alors voyons voir comment que ça va se passer. On voit bien que si ça tient, ça sera juste, mais genre juste grâce à mes croiseurs. Genre vraiment quoi. T'avais accepté la communication? Quelle communication? Ouais non, c'est bon, t'as la molette, ouais. Accepte le truc en haut, c'est envoyé. C'est pas... J'ai pas le choix de l'accepter ou non, en fait. Oh, c'est quoi ça? Attends, tu l'as aussi eu? Des quoi? Les tambours de la guerre. Oh, fais pause, un peu pour voir. Hein. C'est fait. Okay. Oula. Les tambours de la guerre. Pour la première fois dans toute leur histoire telle qu'elle nous est connue, les factions en guerre de Shustkan Horde a été unifiée sous l'autorité d'un seul et unique grand Khan. Ce seigneur de guerre mystérieux qui, selon certains récits, serait un puissant schiste, il serait issu de la caste des guerriers et aurait accompli ce que tous pensaient impossible jusqu'à présent. Grâce à un mélange habile de ruse, de charisme et de génie militaire, le grand Khan nouvellement couronné se serait attaché la loyauté et la dévotion de chaque faction juste Khan. Maintenant qu'ils ne sont plus occupés à se massacrer les uns les autres, les juste Khan vont désormais tourner leur attention ailleurs. De grandes flottes s'assemblent déjà pour la guerre, dont les équipages sont composés de frères d'armes à la solidarité inébranlable, alors qu'ils étaient encore des ennemis mortels, il y a de cela quelques mois seulement. Je crois qu'on assiste à la naissance d'un empire PNJ... Non. Tu sais ce que c'est? C'est un empire PNJ. Les empires maraudeurs qui s'unifient, je crois. C'est possible. Ouais. Il n'a... Le grand Khan Ting Bedugan. Bedonage. Tu la vois le truc? La transmission en 30? Oui, je l'ai eu. Enfin, je l'ai envoyé chez tout de suite. Tu sais, moi je suis en guerre, hein. J'ai un peu autre chose à foutre de sa gueule en fait. Sa petite gueule. C'est bon, j'ai win? J'ai win avec Mega? C'est tout ce qui m'intéresse de savoir en fait. C'est bon, j'ai win? C'est la win? C'est la win de la victoire? Ça a l'air d'être la win de la victoire. Hein. Elle fait quoi comme tête, la win de ma victoire? En fait, il n'y a plus que les croiseurs qui tiennent debout, c'est ça. Et encore, pas tous. Il y a des grosses armées qui vont arriver, mon gars. Oui. Okay. Ça, je me doute. Donc oui, c'est bon. C'est... Ok. Il faut que je te backdash... ici. Est-ce que tu m'as fermé les frontières? Je sais pas, j'en sais rien. Je n'en ai pas la moindre idée. Et je peux aller voir ça. T'es où toi? Nous avons inclus un accord commercial considéré comme rivaux. Une enquête suspélienne, trigger, enquête à la rencontre. Pas de points négatifs, rien. Et non, pas de frontières fermées, monsieur. Moi je peux pas passer tes. Pas de problème. Conceptum.
Lassitude de guerre. J'ai une lassitude de guerre plus élevée que la sienne. Il est considéré comme étant victorieux pour l'instant. Ce qui est assez rigolo. Construction complete. Je confirme. Non mais j'ai déjà tout revendiqué chez toi, j'en ai plus rien à foutre de ta vie. Casse-toi. J'en mets en très rapide. C'est pas une bonne idée. Ok. Ma vie c'est de la merde quand même. Hein. Quand j'y réfléchis, je me dis vraiment... Allô, eh, ça réagit, ça bouge, ça fait quoi? Y a rien qui bouge, y a rien qui réagit, ça me tue. Ah bah d'accord, elle, ça y est, elle est engagée en combat. Magnifique! Waouh! Je suis trop content! Putain! Connexion de merde, jeu de merde! Je fais par des connards, hein. J'insiste, hein. C'est très important que vous le sachiez. C'est vraiment un jeu fait par des connards et uniquement par des connards. Hein. Il y a déjà eu un mec intelligent qui a fait ce jeu. Putain. Gardons un peu de sang-froid. Restons calmes. Et t'as toujours ce tube. Ok. Tube au-dessus de la tronche. Ah les mecs ils quittent pas Gold, d'accord. Yadungar, c'est bon, vous les tabassez un peu là, ça arrive un peu. Ça vous arrive de temps en temps de tuer quelqu'un ou il faut que je vous pousse au cul? Pourquoi j'ai des officiers aussi minables qui transportent aussi peu de flotte? Ça par contre c'est vraiment le truc qui me flingue. À quel moment on s'est dit que j'allais avoir des officiers aussi nuls à chier? L'Empire Clavon nous a fermé ses frontières. Mais non. Titi. Mais non, je viens de le voir. Ah non, attends, je suis pas sur toi, toi. Oui, non, c'est Venti, y a pas de... je t'ai rien fermé du tout. C'est parce qu'on est encore rival. T'as pas accepté l'offre que je t'ai envoyée, je crois. Je viens de te l'envoyer du coup. Voilà, et normalement... Ah ben voilà, maintenant je peux passer. Et qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah oui, ils foutent là parce que je les ai envoyés à la place du coup. Alors. Incroyable. Et je me suis fait plier mes 5 connards. Timing parfait. Je suis content. C'est vraiment le timing de ma vie quoi. Les renforts arrivent. Une armée de 17 000 qui arrive. Un seul groupe de 17 000. Ouais. Je vais pouvoir bloquer une voie. Ah, t'arrives à faire des énormes armées, j'y arrive pas quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais... Je suis tranquille. Ah ou non, c'est pas. Non, mais c'est parce que technologiquement et militairement tu dois être suravancé. Non, parce que moi je suis limité, je vais dire capacité par mes officiers. J'arrive pas à aligner des grosses flottes de plus de. Enfin, ma plus grosse flotte elle fait 10k, point. En fait, c'est ce que j'ai de plus gros. Et de disponible. Moi, mes commandants peuvent mettre 100. Enfin, 100. Construction complete. Alors, comment ça se passe côté de toi? Ok, 3300. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer Alpha K là. Ok. Je veux passer où? Non, mais si je bloque Alpha K avec mon armée. Je veux passer où en fait? C'est ce que j'entends. Et toi, tu prends tout le reste derrière. Je vois pas si tu prends pas Alpha K. Alpha K, c'est le. Et juste en haut à droite de toi là où t'as tes troupes, tout ça là, le petit système d'étoiles où t'as tes troupes, juste en haut à droite là, Alpha K où il y a une station.
station Alpheka. Il a Guram et Alpheka juste en dessous. Oui, je vois. Ouais. Si je bloque Alpheka... Ouais, tu vas aller faire barrage là-dessus. Je fais barrage et toi, tu peux prendre tranquillement tous les restes. Ok, tu peux faire tes bombardements tranquillement, créer ton armée terrestre tranquillement et prendre les planètes tranquillement. Ouais. Oh ouais, si tu veux, ok, ça roule. Et ça va t'aider sûrement du coup. Ah, sans nul doute même. De toute façon, mon armée elle est statique depuis trop longtemps. J'aime quand ça rame tellement que tu peux pas réagir en conséquence, mais c'est génial. Alors vraiment, je trouve ça formidable. Research complete. Je suis à deux systèmes de toi. Incoming transmission. Tu peux faire pause s'il te plaît? Alors gaz ramène, oui, c'est validé. Ensuite, statistiques de combat machin, j'ai pas le temps de voir. Portée disparue, je sais pas. Bon, on n'a pas le temps de voir. Nouvelle recherche. Limite de commandement, plus 20. Hein. Parti. Est-ce que quelque part on n'aurait pas le résultat de cette guerre dans un prochain épisode? Moi ça me paraît bien. Okay. Moi ça me paraît très bien. Du coup, bah YouTube, des bisous, et puis tu verras bien si on se fait casser le fion. Enfin, si je me fais casser le fion. Par contre, toi, il reconstitue des flottes à une vitesse. Mais là, il doit avoir des ancrages à mort. Mais il a surtout un fric à mort. Ouais. Ne t'inquiète pas, je vais venir, là, je suis à 2 systèmes. Ah, ouais, ça va, après, en même temps, il envoie que du 5000. J'avoue, j'abuse. Il envoie pas si ouf que ça non plus. T'as armé 17000 qui arrivent dans ton territoire, là, dans le territoire ennemi. Ok. Bah écoute, tu fais des bisous à YouTube ou tu leur fais un boubise? Et puis, la prochaine. Bise. Bise. Oh, bise.